Eh bien, salut à tous, c'est HypadGamer172. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre un coffre dans un minecart, comme ce qu'il y a dans les mineshafts, donc ce qu'il y a sur les PC. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, il vous faudra des rails, un bloc, un minecart et un coffre, bien sûr. Donc, du coup, vous posez un bloc comme ceci, avec un rail ici, un rail au-dessus du bloc. Vous allez mettre ensuite votre objet ici, avec un bloc juste derrière. Donc vous pouvez le faire avec tous les blocs pleins. Et donc du coup vous mettez votre minecart et vous le poussez, hop. Une fois que c'est fait, vous pouvez casser tout ça. Et voilà, vous avez votre coffre dans un minecart. Donc c'est plutôt utile, ça rend super cool, enfin ça rend super bien. Donc on peut faire ça aussi avec, je vais vous montrer ça tout de suite. Avec les fours, comme ceci. Alors, le four, ils sont ici. Je vais prendre plusieurs d'ailleurs. Voilà, on va juste faire ça. Ça fonctionne avec tous les blocs pleins. Donc, du coup, je mets le four ici. Donc, si je fais ça et que je pousse. Alors, on a un petit bug d'éclairage là. Sur le minecart. Mais c'est pas grave, vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Sur le coffre. Par contre, sur le four. Ouais, sur le four, ça fait une espèce de bug d'éclairage. Comme ceci, c'est pas très grave. Donc on va le faire avec un dernier bloc. Juste un seul. Voilà. Donc vous voyez aussi, j'ai pu retourner sur iOS. Sauf que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dans les commentaires me dire comment filmer plus de 6 minutes avec Show. Ça serait vraiment utile pour moi. Parce que je vous réserve une surprise avec Swartex. Et du coup, j'arrive même pas à filmer plus de 6 minutes. Donc j'attends votre réponse dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà. Donc du coup, je vais juste essayer avec le dernier bloc. Comme ceci, hop, voilà. Comme ceci, vous avez votre bloc dans un minecart. Ah, par contre, pour le four et pour le Nether Reactor, ça fonctionne pas. Par contre, pour le coffre, ça rend vraiment super bien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était HypadGamer172. Allez, bye tout le monde.